formation des volcans dans une zone de subduction. La plaque océanique passe sous la plaque continentale. Ceci entraîne la formation de reliefs comme la cordillère des Andes et également des failles se forment dans la croûte terrestre. En s'enfonçant dans le manteau, la plaque océanique fond et devient du magma. Ce magma remonte à la surface en s'infiltrant dans les failles. Une chambre magmatique se crée. Ainsi, le magma s'échappe par une cheminée, entraînant la naissance d'un volcan. Ce phénomène dure de nombreuses années et il est accompagné de tremblements de terre.